Hello, hello à tous les abonnés de Congo, ça va? Bienvenue dans Cuisine et Astuces. Na mon abino kala, en tout cas, le lona yelibino recette ya ngolo ya kotumba na kotiango na four. Neti bumonywana, j'ai deux poissons chats, ngolo ou quatre fish. Dans la scène, qui déjà na kata ma nanga ya citron, na koni kango bien. Des abeilles non à soukou en goûter na plongeant qui en caca. Na roni kango ne éponge ou mon ara na roni kango. Bien, na tie bandila. Ah, na ni kango na citron. Bien, parce que oui, que citron. Des mamans, citron ambisi. Et bah la naka très bien. Citron, ils ont vraiment. Camarade, il y a poisson. Ils ont la zé. Ça nettoie très bien en fait. En plus, ils en a goût, y a bien penakata biloko. Donc, au moment la tête de Jambis, bien. Donc, je vais bien nettoyer ça. Après, dans la semaine, dans le sucolango. Après, les pistes sont en haut, on retient. Nana moi, tanga ici, nana aïe, nana ndembi nanga, nana oignon, nana on retient tomate comme au niso lingotia, au tissu pour lingotia, c'est bon. Donc, on a préféré retient moi tomate nanga et un bon moment qui nazali awana. Lemon pepper, ils ont un goût à citron, donc ils ont citron bakaoussa, na poivre noir, moi mungwa, huile d'olive, et puis des bonbons à, na obtient moi muscade nanga, donc on nique kango nyonso awa, après des non cinq ça na poisson, donc nous allons faire notre poisson chat bien nettoyé avec le citron, après nous allons mettre dans notre blender ici. Vous voyez, j'ai la ciboulette, l'ail, le gingembre, un peu d'oignon. Si vous voulez la tomate, c'est au choix. Si vous voulez mettre un peu de tomate fraîche, tomate fruit, c'est à vous de faire le choix. Et puis, j'ai ici mon lemon pepper, assaisonnement. Et puis, un peu de sel. Je vais mettre un peu de muscade. Et puis, je vais asperger juste un peu, je pense, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Juste pour que ça ne puisse pas, vous voyez, oui, quand on a manassé, il y a ni te, il y a ça, ni nangate et tout. Donc, en plus, pour bien mélanger mes épices. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc, maman, voilà, je vais essayer. Donc, le poisson, il faut bien nettoyer à l'intérieur. Des fois, j'utilise des éponges comme ça pour bien frotter. Niquons bien. Vous voyez, la noire ouyo. Tout ça là, ça doit partir. Donc voilà mon poisson. Vous voyez comment c'est propre. On se fait à la propre. Zéye longue. C'est un peu. La mi-canti n'a qu'à t'y. Va à sur longue. Préparer, ça demande de la patience. En tout cas, il faut faire les bonnes choses. Surtout le poisson, soyez sous comme bien t'es. Et t'y qu'à la maman sur le monde, n'a pas zéye. Voilà le bébé poisson. Après ça, je prends mon citron. Donc, vous pouvez voir, ça c'est l'éponge que j'ai utilisée. La nickel en gros poisson, Tilibanda. Ça c'est moi, ils avaient moins de douane, quand ça a été bon, ils avaient bon, mais le fait, ils avaient finalement salité la boue, place la zakango et tout. Donc, j'essaie de frotter un peu pour la longueur, la moins. Donc, voilà les mamans.
Après avoir nettoyé, maintenant là, on a une cabé pisse là. Après, on peut zoomer la vie, non? Non, non, tu connais qu'on en a noué, c'est après que je vais enlever de l'eau. Après, on va mélanger la bépice. Oh, les citronnés. Je vidais l'eau avec du citron. Nous avons épicé. Donc ça, c'est des épices. Je vais y montrer bien avant. Et voilà. Je vais remettre. Une des natifs, vous voyez. Vous allez prendre une cuillère. Utilisez une cuillère ou juste vos doigts pour bien mélanger. Épicé quota à l'intérieur, je fais des lignes justement pour que mon assaisonnement puisse pénétrer à l'intérieur. Donc ici oyo na kotia ngo na four na kotumba ngo. Je vais utiliser même assiette Pyrex nanga oyo et qui me rapide na four. Je vais mettre ça là, bien assaisonné. Dès que vous épicé en haut bouillé, vous salatez votre huile d'olive ou whatever huile que vous utilisez. Je vais mettre à peu près 2 cuillères. Juste comme ça. Et on va faire ça. Voilà. Après, 2 cuillères. Je vais mélanger. Il faudra goûter l'assaisonnement. Maman, herbosa pour épicer une lycée, il faut yoka mungwa. Pas que non, on a qui m'ouvre, on a eu qui on passe que passe. Parce que Mbisi, il faut que moi m'ouvre yokana. Pour que ça, on a la bien des pistes yokana. Et qu'on a la fatigue. Je n'ai pas dit que dépasser mon soit une dingue ni mais. Et on met qui a ce moment, non, dans mon corps, ça doit goûter. Il faut yoka gouna. Il faut yoka pina qui m'ouvre yokani moi. Parce que le poisson, et ça va rembourser. Pour moi, il m'a dit, mais tu m'as. Après, à la fin, au moins, là. Goût et diminuer si bien fait. Les arômes de ma citron. Après, on va laisser reposer pendant quelques minutes. Au gros, on va fil. Fil alimentaire. Voilà. Vous voyez des sachets qu'on met ou bien couvrir en haut de la frigo. Tu gardes. Tu laisses reposer au moins plus ou moins 20 à 30 minutes. Après, au coup de son, on a four retombé. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, les mamans, vous tendez les allées. Après avoir reposé en haut, faire reposer le poisson pendant plus ou moins 20 à 30 minutes et puis c'est trop tard. Au frigo ou à l'extérieur, ça dépend de vous. Vous savez comment on dit, laisser mariner
au frigo, je pense que c'est better. Après, nous allons mettre au four. Je mets au four à 350 degrés. Et puis, on va surveiller petit à petit. Donc, Missy, aussi dans la maison, Missy, pour ceux qui sont de Chicago, Champaign, Illinois, Nazu, en gros, on a the best of Africa food. Et pas maman Lisette. Donc, c'est là que je trouvais. Bambi, c'est mien et Zali. Sur l'ingé, mien et Kolika. Ou sur l'ingé, ma moyenne. Et Zan, en gros, y'a des gens. Si vous voulez faire des bonnes recettes, allez-y là-bas. Donc, voilà. Et maman Lisette, papa et moi, je vous salue en passant. Merci beaucoup. Merci pour la bici. Donc, vous êtes à l'ingé. Oko, Makemba, Semu, Kwanga. Encore dans un coin, on a rappelé dans un coin au Pékin. Donc, il y a au somme. Dans ça, on se coule, on a mettre déjà ma tembele. Malheureusement, je ne vais pas vous mettre dans une vidéo. Il y a recette dans ma tembele. Et on est là pour la prochaine. Pour ça, on a ma tembele. On a ma semu, on a Kwanga. Et ça somme. Donc, voilà. On se retrouve tout à l'heure. Donc, ça passe dans la tête.